application Excellence, là, c'est une application multi-système. Ça fait à la fois le système minimal de trésorerie et le système normal et le système minimal de trésorerie. Au même moment aussi, si tu vois sur mon écran, on a la possibilité de choisir, en fait, le pays. Ça peut être, en fait, ça, bon, pour le moment, j'ai mis seulement que le pays de l'UEMOA. Mais j'envisage à la longue étendre ça au pays de la CEMAC. OK. Donc, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que c'est vrai que l'OADA, c'est uniforme dans toute la région, mais toutefois, d'un pays à un autre, il y a des spécificités. C'est-à-dire, il y a des états additionnels que certains pays, certains administrations fiscales demandent. Donc, ce que j'ai fait avec mon application, c'est de l'adapter pour chacun de ces pays-là, me renseigner, prendre les informations pour pouvoir avoir les états spécifiques de ces états, de telle sorte que, selon le choix que vous faites, ça va automatiquement faire ressortir les états spécifiques. Certains états, comme par exemple le Sénégal, je prends le cas du Sénégal, récemment, leur gouvernement l'a imposé la soumission électronique des états financiers. Donc, c'est vrai que c'est le même format SysQuada, mais il demanderait un fichier vraiment spécifique avec des lignes spécifiques. Si le fichier n'était pas au même format, ça crée en fait des régies au niveau de la plateforme des impôts. Donc, ce qui nécessitait en fait une mise à jour du logiciel pour pouvoir en fait avoir des états vraiment spécifiques. Okay. Tu vois, en fait, c'est là qu'il y a l'intérêt de te. Maintenant, quand je prends d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, en plus des états normalisés du SysQuada, là, vous avez des états supplémentaires et complémentaires que les impôts exigent. Donc là, par exemple, c'est intégré ici. Maintenant, au niveau du Burkina, est-ce qu'il y a des spécificités, juste pour mon information? Eh oui, bon, il y a la liste des états supplémentaires qu'il faut intégrer. OK. Il n'y a pas de souci. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de clients sur le Burkina. Mais dès que j'ai un client ou bien plusieurs clients sur le Burkina, je vais mettre les détails spécifiques là, du Burkina. Okay. Mais à l'heure actuelle, là où je vous parle pour le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, en tout cas, j'ai intégré tous les détails spécifiques. Supplémentaires. Voilà, supplémentaires et spécifiques à ces états-là. De telle sorte que si tu utilises l'application, tu ne vas pas avoir l'impression que c'est une application qui vient de Côte d'Ivoire. Tu vas devoir après, peut-être une fois que tu as généré tes états, devoir venir manuellement faire des changements ou bien essayer de copier, coller les résultats dans notre. Tu vois. D'accord. Voilà. Okay. Donc, on continue. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Uh-huh. Donc, par exemple, là, je vais choisir le Burkina. Comme je suis avec toi du Burkina, comme j'ai indiqué précédemment les détails du truc, par exemple, quand j'ai cliqué le Burkina, ça me dit désolé, les détails complémentaires et supplémentaires du Burkina sont en cours d'intégration dans l'application. Veuillez contacter l'auteur de l'application. Comme je vous l'ai indiqué, pour le moment, je n'ai pas intégré, mais j'ai déjà trois détails qui sont conformes. Donc, je clique sur OK. Oui. Donc, en fonction des choix que l'utilisateur fera, en fait, l'application va vous faire ressortir les feuilles concernant ce dont vous avez envie de faire. OK. Voilà. Donc, quand vous rentrez, par exemple, dans l'application, vous avez cette feuille de synthèse-là qui donne un peu une vue générale sur les fonctionnalités de l'application. En fait, tout tourne autour des états financiers. Et bon, en fait, de la préparation, c'est-à-dire vous allez intégrer des balances, ensuite au contrôle, ça c'est là où la partie audit là. Voilà, intervient. Voilà, une fois que vous avez atteint un certain niveau de contrôle, de qualité de votre balance, maintenant l'étape suivante c'est d'établir votre IAS et ensuite éditer votre IAS, l'imprimer. Donc tous ces liens que vous voyez là, en fait. Ce diagramme, c'est genre de tableau de bord par lequel vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Exactement. Maintenant, ce que je suggère, l'application aussi comporte un tutoriel intégré.
Donc, voilà, ça comporte un tutoriel intégré. Voilà, je veux que pour pouvoir commencer la démo, on va passer par le tutoriel. D'accord, ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais, attends, une seconde, je vais d'abord me mettre sur l'alias de la Côte d'Ivoire parce que, une seconde, je vais m'assurer que c'est bien sûr l'alias de la Côte d'Ivoire. D'accord. Une seconde, ça c'est la feuille paramètre où vous pouvez sélectionner. Oui. Voilà, je vais me mettre sur la Côte d'Ivoire d'abord. Ok. Sur l'alias de la Côte d'Ivoire parce que c'est à partir de là-bas que le tutoriel. Mais quand vous mettez l'application pour la première fois sur votre machine, vous verrez que ça va automatiquement vous demander si vous voulez. Donc, voilà. Par exemple, là, il y a le raccourci du tutoriel. Je vais cliquer dessus. Le bouton vous demande, il demande, je vais vous amener faire un tour d'horizon de l'application. Donc, allons-y faire un tour d'horizon de l'application. Donc, le premier débat. En fait, la première chose à savoir, c'est que l'application, là, ça comporte des onglets personnalisés. OK. Voilà, il y a un onglet. Normal. Voilà, et puis système minimal de trésorerie. Voilà, l'application vous fait remarquer ça. Oui. Voilà. Ensuite, tout ce qui est, ça, comme toi-même, tu as bien compris, ça concerne le système normal. Toutes les fonctionnalités qui sont là, oui, concernent le système normal. Effectivement. Et tout ce qui est là concerne le système minimal de trésorerie. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, voilà une vue générale sur les feuilles qui sont dans l'application. On a ce que j'appelle les feuilles générales. OK. Ce sont des feuilles où tu as la présentation de l'application. Il y a la feuille du diagramme qu'on regardait tout à l'heure. Là. Diagramme processus. Effectivement. Voilà. Oui, en fait, processus là. Voilà. Et puis, il y a une feuille paramètre. Il y a une feuille ballon général. Okay. Il y a des feuilles ballon général. Okay. Il y a des, et puis, bon, il y a un extrait du droit comptable. Donc, ces feuilles-là, en fait, quel que soit le choix que l'utilisateur fait, de l'utilisation qu'il veut faire, ça va toujours être visible. Ces feuilles-là vont toujours être visibles parce que ce sont des feuilles qui sont générales. C'est utilisé à tout moment. Ensuite, il y a les feuilles relatives à l'expertise comptable. Dans les feuilles relatives à l'expertise comptable, là, il y a le plan comptable, il y a le plan d'analyse, il y a un truc qu'on appelle. Enfin, on va parcourir toutes ces feuilles-là. Le tutoriel va nous amener. Il y a les feuilles d'audit et autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on aille un peu vite. Okay. Les feuilles d'audit, dans lesquelles on a l'examen à IT, qu'on a le contrôle indiciel, les feuilles de presse et autres. Donc, le tutoriel va nous envoyer. Donc, d'abord, les feuilles générales. Par exemple, on parlait de la feuille de présentation. Cette feuille-là, par exemple, c'est la feuille de présentation. Sur cette feuille-là, vous avez vraiment de manière détaillée tout ce qu'il y a dans l'application. Ensuite, ça, c'est la feuille diagramme processus. Oui. Qu'on a vu tout à l'heure. Oui, voilà, il y a une feuille paramètres. Tout à l'heure, voilà, où il y a le paramétrage. Oui. Ensuite, la feuille balance générale. Tu vois les quatre feuilles en rouge ici, là. C'est là, c'est l'espace d'accueil des balances générales. On va venir copier puis coller les balances générales ici. OK, OK, oui. Voilà. Ensuite, bon, maintenant, les feuilles d'expertise comptable. Les feuilles d'expertise comptable, là. Il y a une feuille qui s'appelle rapport d'analyse. Tout à l'heure, on va voir à quoi ça sert quand on va lancer les analyses. On va venir là-dessus. Il y a une feuille ajustement de balance. C'est ici, en fait, que les ajustements extra-comptables vont être passés. D'accord. Les ajustements, pardon? Les ajustements comptables. Extra-comptables. OK. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous avez fait votre balance et il s'avère que, par exemple, certains comptes que vous avez dans votre balance là ne sont pas bons. Vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez aller retourner dans votre comptabilité et peut-être replacer ces comptes-là dans votre comptabilité, puis faire une autre exportation et puis venir la mettre dans l'application, une autre exploitation de votre balance. Mais l'application, en fait, comporte ce module de gestion d'écriture extra-comptable. Voilà. Qui vous permet directement de passer ces écritures-là. Ici, ça va s'impacter sur votre balance. Mais après, si vous voulez, vous pouvez aller reporter ça dans votre comptabilité.
Mais au moins, ça va vous laisser des traces de ce que vous avez fait comme ajustement. Tel que je l'ai conçu, je ne souhaiterais, enfin, mon souhait, ce n'est pas que les utilisateurs aillent directement sur les feuilles balance générale à modifier, faire des modifications de la balance d'origine. Pour des questions de traçabilité de ce qui a été fait, vous mettez votre balance telle que vous l'avez extrait de votre comptabilité et vous pouvez passer des écritures extra-comptables pour pouvoir ajuster si vous voulez faire des corrections. Voilà, juste pour des questions de traçabilité. OK. Voilà, donc cette feuille sur laquelle on est, par exemple, ça c'est un genre de tableau de bord qui vous permet de... C'était le contrôle qualitatif de la liasse, OK. Voilà, quand vous allez lâcher votre liasse là, ça va vous donner l'état en termes de cohérence, d'équilibre de votre balance, de vos états financiers, les recoupements entre votre bilan et vos notes, par exemple, et puis d'autres contrôles de cohérence aussi sur les provisions, les amortissements, okay. Tout ça. On verra okay. Ça tout à l'heure. Donc, je pense excusez, que... OK, il n'y a pas de problème. Parce que là où c'est grisé, par exemple, c'est pour dire que il n'y a pas d'observation à faire à ce niveau ou bien oui, dire que c'est des oui, endroits à... Oui, par exemple, si je prends la partie équilibre du bilan, là, on sait bien que oui. Les états financiers, c'est N et puis N-1. C'est ça. Voilà, donc il n'y a pas de N-2 au niveau du bilan, pas, oui. Du format du bilan. Donc ce n'est pas applicable en fait. C'est pourquoi j'ai grisé okay. Tout ça. Ce n'est pas applicable. Okay, okay. Parce que l'état même en question, ça ne nécessite pas en fait ces contrôles-là. Voilà. Okay. Voilà. On va venir là-dessus en détail. C'est le tout d'horizon. Voilà, il y a une feuille aussi qui s'appelle paramétrage des états. Dans lequel vous avez vraiment de manière détaillée, au contraire, comment tous les soldes ont été obtenus. C'est-à-dire, comme tu vois, par exemple, là, on est en train de regarder les détails de calcul du bilan. Et quand tu vois ici, ça montre dans le détail, en tout cas, tous les postes, par exemple, matériel, transport, quels sont les comptes qui rentrent dedans, quelle est la valeur de chacun des comptes. Au contraire, c'est pareil aussi pour le compte de résultat. Et puis le TFT. Par exemple, là, c'est le TFT. Donc, vous avez, en tout cas, si vous recherchez une application qui est détaillée, franchement, oui. En tout cas, tous les utilisateurs à qui j'ai vendu mon logiciel, oui. L'un des commentaires qu'ils font, quand ils voient, ils disent que vraiment l'application est détaillée. Et ça, c'est accessible aux utilisateurs. Et l'une des bonnes choses aussi, c'est que c'est Excel. Allez, toi et moi, tous les jours, j'imagine que tous les jours, vous utilisez Excel, n'est-ce pas? Ah, vraiment, autant de fois. Voilà. Un comptable ne peut pas... Enfin, moi, chaque jour que je vais au bureau, c'est vrai qu'on a des logiciels comptables et autres, tout ça là, mais on peut pas... Je ne peux pas faire une journée sans rentrer dans Excel. Non, c'est pas possible. Voilà. En tant que bon comptable, vraiment, c'est pas possible. Donc, du coup, en fait, l'application, l'un des gros... Pour moi, c'est l'une des plus grosses forces. En fait, c'est conçu dans un environnement dans lequel on travaille tous les jours. Comme par exemple, là, si j'ai fait un calcul, par exemple, pour un poste et que, par exemple, au lieu de mettre un plus ou bien de mettre un moins, j'ai mis un plus. Toi-même, enfin, en tant que comptable, avec ce niveau de détail-là, tu peux même toi-même identifier l'erreur, toi-même soit la corriger toi-même ou bien même facilement détecter les problèmes. Oui. Est-ce que tu vois? Donc, en fait, c'est ce qui rend en fait l'application très flexible. C'est le fait que ça a été fait sur Excel et puis, bon, c'est détaillé. On a les liens de formule. Vous pouvez tracer les trucs. Là, on continue. Ensuite, Ça, ce sont les onglets de l'alias, là. Voilà, les onglets de l'alias. C'est les onglets de l'alias. Donc, tu vois, les onglets de l'alias, par exemple, sont là. Mais et les 36 notes qui sont là. Oui, 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 les onglets de l'alias. 36 sont là. Notes, oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Attends, je vais continuer. Maintenant, la partie audit. Les feuilles d'audit, là. Pour les feuilles d'audit, quand on va, par exemple, vous avez la feuille des examens analytiques. OK. Examens analytiques et
contrôle indiciaire, ces feuilles-là. C'est examen analytique. Examen. Voilà. Examen, compte de résultat. Voilà, compte de résultat. Et puis vous avez les variations des soldes. Enfin, ça, c'est par rapport au bilan. Il y a pour le compte de résultat. Ensuite, il y a le contrôle indiciaire avec la batterie de ratio, tout ça. Là. Tout ça, ça vient automatiquement. Dès que vous mettez votre balance dedans, tout ça va sortir automatiquement. Ensuite, ouais, ça, c'est vraiment un logiciel très développé. très développé. En termes d'analyse. En tout cas, on n'a rien de temps, oui. Tu as, en fait, que tu peux vraiment avoir une vue générale sur le truc. Donc, il y a aussi les feuilles maîtresses. Oui. Les feuilles maîtresses. La dernière fois, tu me demandais les feuilles maîtresses qu'il y avait. Effectivement. Voilà. Donc, il y a toutes les feuilles maîtresses ici, par cycle. Oui. Ensuite, on continue. Bon, ça, c'est pour le paramétrage des feuilles maîtresses. Mais si tu veux, on va revenir ça en détail sur ça par la suite. Donc, à ce niveau, c'est modifiable ou bien? Oui, c'est modifiable. Okay. En fait, tu peux définir le niveau de détail que tu veux de certains cycles. Et puis, ça va te faire les feuilles maîtresses en conséquence. Ok. Voilà. D'accord. Donc, il y a aussi, dans l'application, il y a des graphiques. Il y a des analyses graphiques qu'on va voir. Mais ce n'est pas alimenté parce qu'il n'y a pas de balance encore pour le moment. Ok. Voilà. Donc, maintenant, bon, généralité sur les traitements. Bon, là, on va voir ça directement. Comment faire, enfin, le cycle pour pouvoir monter les états financiers. Mais on va faire ça ensemble. Tu vois. Donc, en fait, c'est un peu ça pour le tutoriel. On va passer à la phase pratique. Ok, d'accord. Voilà. Ça, c'est le tutoriel. C'est intégré dans l'application. Hein. C'est intégré dans l'application. Voilà. Donc, là, par exemple, je vais choisir. J'ai fini le tutoriel. Ça me demande de choisir ce que je veux faire. Pardon, vous êtes Burkina Faso. Sénégal, Burkina. Voilà, vous êtes Burkina Faso. Donc, je choisis Burkina. Okay. Et puis, je choisis les deux. Un système normal. Système normal, oui. Les états supplémentaires, ça c'est vrai. Ok. Donc voilà, on est là maintenant. Ok. Voilà, donc on est revenu là. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à faire des états financiers. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris par exemple quelques balances là. Tu vois, j'ai pris quelques balances. Okay. Donc, c'est la présentation de la balance à 6 colonnes qui va être intégrée. Voilà, balance à 6 colonnes avec les soldes initiaux, mouvement et puis truc. Mais même si tu mets une balance à seulement 2 colonnes, ça va marcher, mais seulement que ça va te créer des déséquilibres parce que l'application n'aura pas suffisamment d'informations. Ok. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'est une vieille balance juste pour des besoins de test, quoi. Donc, par exemple, c'est simple, c'est Excel. On va juste copier la zone de compte, là. Juste copier la zone de compte. On va juste venir coller. C'est Excel. Donc, ça par exemple, l'exercice 2003, par exemple, sera l'exercice 2000. L'année. Ah, c'est 2000, donc L-1, 2003 et puis 2002. C'est simple. Hein. Il y a la possibilité aussi de faire des imports. Hein. Si vous voulez, vous pouvez importer aussi vos balances ou bien servir ça manuellement. Bon, ça dépend de vous. Maintenant, le numéro de chiffre là, comme ce n'est pas séparé par des séparateurs de milliers là, je ne sais pas, est-ce que ça pose un souci ou bien. Quel numéro de chiffre? Parce que quand je regarde un chiffre comme un nombre comme ça, comme il n'y a pas de séparateur de milliers là, ah ouais, comme ça si va. Les montants, voilà. Oui. Les montants, voilà. On peut mettre des séparateurs de millions, non? Je ne sais pas si ça pose. Non, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. C'est bon. Ça ne pose pas de problème. Par exemple, là, j'ai mis
des séparateurs de milliers. Mais ça, c'est au format anglophone, en fait. Okay. Avec les virgules. Là. Mmh. Oui, les virgules. Là. Voilà. Sinon, il y a un mot anglais souvent, là. Ou c'est français, même avec des séparateurs de milliers. Ouais, OK. Mmh. OK, donc. Ça, c'est anglais. Voilà, ça, c'est anglais. Donc, tu vois, j'ai mis trois balances. Concernant la question de séparateur de milliers, là, en fait, j'ai même prévu une fonction parce que j'ai constaté que souvent, certains clients ont des balances où souvent, il y a des espaces, il y a des trucs à l'intérieur qui font, en fait, que ça pose problème. Par exemple, regarde, si, par exemple, je décide de mettre un espace ici, moi, ça va plus... Bon, c'est parce que... Attends, je vais essayer de mettre un espace devant. Faisons que je mette des espaces. Tu vois, là par exemple, en fait, Axel, automatiquement. Entre. En fait, ok, si je mets ça au format texte, attends, c'est parce que c'est au format chiffre, c'est pourquoi ça corrige automatiquement. Donc par exemple, là, si je décide de mettre du texte comme ça. Tu vois, j'ai décidé de mettre du texte dans cette cellule-là. Tu vois? C'est décalé. Voilà. En fait, c'est vrai que ça a posé problème. Tu sais que dans Excel, quand il y a des espaces dans les chiffres, là, ça n'a pas fait le calcul. Oui. Là. Voilà. Donc, j'ai prévu même une fonctionnalité. Okay. Comme parade à cela, il y a une fonctionnalité ici qui s'appelle reformater chiffres. Quand je clique sur ça, okay. la fonction, là, ce que ça va faire, ça va appeler tout ce qu'il y a comme chiffre dans la balance. OK. Donc, par exemple, là, il y a les numéros de compte. Voilà. Regarde. Même si les numéros de compte, regarde, je clique sur reformater. Souvent, ça peut prendre un bout de temps, tu vois. C'est en train de travailler. C'est en train de reformater tous les chiffres. Oui, la balance. Donc, tout à l'heure, tu vois, là-bas, c'était la cellule, là, c'était... Il y avait des espaces à l'intérieur. Oui, voilà, voilà. Tu vois, ça a enlevé l'espace. Donc, même si je fais ça maintenant, ça va devenir correct. En fait, bon, c'est un détail, mais je veux dire, souvent, ça peut... souvent avec certaines balances, j'ai eu des cas comme ça où j'étais en train de faire des démos et j'étais bloqué parce que sans moi le format de deux. Mais bon, j'ai créé maintenant la solution à cela. Ok. Tu vois. Donc voilà. Oui. On peut mettre des séparateurs. Bon, ce que non, même avec le système français là, séparateur de milliers, on peut mettre. Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Par exemple, là, par exemple, je fais la séparation de milliers, ça ne pose aucun problème. Donc, voilà. Maintenant, l'étape suivante, on a mis maintenant les balances dans notre application. L'intégration des balances. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, là, on peut recalculer déjà notre... tu vois, le recalcul en cours. Hein. On peut recalculer déjà sans aucune analyse pour voir ce que l'application va donner. J'ai fait aucune analyse, hein. J'ai mis juste les balances à l'état brut à l'intérieur. Maintenant, je clique, il y a un bouton ici. Maintenant, juste une question. Est-ce que, comment s'assurer du fait que les balances intégrées là sont bien faites? Non, j'arrive. En fait, regarde, j'ai mis les balances, j'ai lancé juste le recalcul pour avoir une idée de truc. Donc, par exemple, sans aucun traitement, sans aucune analyse, quand je viens, par exemple, ça me dit déjà que le bilan est déséquilibré, tel truc est déséquilibré et autres. Tu vois? OK. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord lancer l'analyse. Je vais lancer l'analyse, voilà. Je lance l'analyse de la balance. Quand je clique sur l'analyse de la balance, ça me demande quelle balance je vais analyser, l'analyse de la balance N. Voilà, donc c'est en train d'analyser la balance N. Donc tu vois la barre de progression. Hein. Donc ce qui se passe durant l'analyse, hein, ce qui se passe durant l'analyse, le système va vérifier les numéros de compte, vérifier l'équilibre de la balance, vérifier que l'intangibilité est respectée entre les balances, vérifier que... il n'y a pas des comptes qui peuvent créer des écarts au niveau de mon bilan, de mon compte de résultat. Et puis, identifier tous ces problèmes-là. Donc, tu vois, par exemple, j'ai lancé l'analyse sur les 6N.
Donc, le système a généré un rapport d'analyse. Bon, la première section dit analyse de l'équilibre. La balance N est équilibrée. Analyse des comptes échappant au paramétrage. C'est-à-dire des comptes dont le format ou bien le truc n'a pas pris en charge par le paramétrage. Donc, oui, par exemple, vous dites qu'il n'y a pas ce numéro de compte dans le plan comptable ou bien. Voilà, qu'il n'y a pas ça dans le plan comptable ou bien dans mon paramétrage là. Mon paramétrage exclut ce compte-là. Ok, d'accord. Tu vois. Donc, par exemple, le système a automatiquement détecté que ce compte-là, oui. Comme tu disais, c'est une vieille balance. À l'époque, par exemple, les charges immobilisées. Oui, il y avait les charges immobilisées. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, par exemple, ça a détecté que ça, par exemple, ce n'est pas pris en charge et que ça déséquilibre mon bilan à cause de cela. Ça, c'est vrai. Tu vois. Et puis, ensuite, on continue dans le rapport d'analyse. Ça indique que le solde du compte 440, 401, blablabla, aurait dû être créditeur. Apparemment, ce compte-là, qui aurait dû être créditeur et débiteur. C'est la même chose. C'est un solde fournisseur, là. Oui. Voilà, voilà. Voilà, tous ces comptes-là, ça a relevé tout ça-là. Et puis aussi, bon, ça a relevé aussi que certains comptes ne sont pas conformes au SISQUADA. OK. Tous ces comptes ne sont pas conformes au SISQUADA. Maintenant, il y a un état qu'on appelle détail des charges. Bon, je ne sais pas si vous avez ça au Burkina. Oui, vous avez ça. On a ça. Voilà, OK. On a ça. Voilà, souvent aussi, ça, il y a des déséquilibres sur cet état-là. Donc, par exemple, ça a identifié tous les comptes de gestion les comptes de charges qui causent des écarts. Mais on va voir, ça va corriger ça tout de suite. Donc, après l'analyse, par exemple, là, ce qui se passe, quand vous retournez sur votre analyse, vous allez voir qu'il y a du blanc et puis il y a du rouge. Il y a du blanc et puis il y a du rouge. Donc, si on va sur chacun des trucs là, l'application, en fait, tous les comptes, par exemple, là, ça a mis en rouge. Tous les comptes pour lesquels tu vois, ça commence. Ça te commande pour te dire, en fait, que le solde du compte 400 aurait dû être créditeur. Mais tu vois qu'il est débiteur ici. Tu vois. Ça aussi, il aurait dû être créditeur, mais il est débiteur. C'est ce qui a été relevé au niveau du rapport d'analyse là-bas. Okay, mais oui. Que tu peux voir physiquement et visuellement, en fait, tu peux voir ça sur ta balance. Tous ces comptes ou bien ces trucs qui ont des problèmes là. En fait, le système lui-même. Voilà, et puis il te commande. Voilà, il commande. Ok, en fait. Il met même le commentaire, oui. Voilà, il commande. Donc, si tu veux, tu peux relier ça à partir du rapport d'analyse ou bien à partir de là, quoi. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour la balance N-1. On va analyser la balance N-1 aussi pour voir. Je clique sur analyse. Balance. Je choisis la balance N-1. Donc, en train d'analyser la balance N-1. Voilà, donc c'est bon. Donc, ça nous amène directement sur le rapport d'analyse. En fait, les rapports se suivent. Hein. Par exemple, là, c'est le rapport d'analyse de la balance que je viens d'exécuter tout de suite là. On me dit que la balance générale est équilibrée, mais que ce compte-là n'est pas pris en charge, qu'il y a ces comptes qui sont anormaux, qu'il y a ces comptes qui ne sont pas conformes au SISQUADA. Et puis, ces comptes de charge là créent des écarts au niveau du détail de charge. Donc, tu vois, ça, c'est pour la fonction d'analyse. Maintenant, donc, c'est une fois qu'on a analysé, là, on a analysé ces balances-là, ça ne fait aucun changement sur l'état de Malias. C'est-à-dire, quand tu vois, par exemple, tu vois tout ce qui est note OK, là, c'est là où il y a des problèmes. Il y a des déséquilibres ou bien des inconsistances. Tu vois, ça ne fait aucun changement, mais ça t'informe sur... les problèmes que l'application déjà a détectés. Tu vois. Maintenant,
Vu ces problèmes-là, il y a des traitements automatisés que j'ai mis en place qui vont maintenant, par exemple, les comptes de la balance générale là, qui ne sont pas bons, par exemple, que le système ici a identifié, là, que par exemple, ce compte-là n'est pas pris en charge par le paramétrage. Le système automatiquement lui-même, il peut proposer des comptes sur lesquels il va faire des reclassements des soldes de ces comptes-là, de telle sorte que l'application puisse calculer un bilan, un compte de résultat et des TFT qui sont équilibrés et détail de charges qui est équilibré. Donc, c'est pourquoi, en fait, quand je vais lancer cette fonctionnalité-là, ça va, dans un premier temps, identifier des comptes sur lesquels ça va reclasser les soldes de ces comptes qui ne sont pas pris en charge là, ou bien qui ne sont pas bons, vers des comptes qui sont conformes. Et là, ce traitement automatisé. En temps normal, après avoir vu ces commentaires là, quelqu'un d'autre qui a un autre logiciel devrait maintenant venir un à un. Oh, je vais changer ça en compte 21. C'est ça. Manuellement, tu vois. Manuellement. Manuellement. Mais moi, comme je dis, l'application telle que je l'ai conçue, je suis comptable et bon, je veux que les utilisateurs aient la traçabilité de ce qu'ils font. Et je veux même qu'ils aillent très vite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai développé un module que j'appelle reclassement des comptes exclus. Donc, quand on va lancer ça, quand je vais cliquer sur ce bouton-là, ce qui va se passer, c'est que le système lui-même, automatiquement, il va prendre tous ces comptes qui ne sont pas bons là et puis faire le reclassement des soldes de ces comptes-là vers des comptes qui sont beaucoup plus conformes. Donc, je clique sur... Il me demande si je souhaite aussi reclasser les comptes non conformes au 6 quadra. Oui. Voilà. Je lui ai dit oui. Parce qu'en réalité, ce bouton-là, c'est pour les comptes exclus du paramétrage. Pour les comptes qui ne sont pas pris en charge par le paramétrage, mais en fait, on peut aller au-delà de cela pour dire non, même tous les comptes qui ne sont pas conformes au 6 quadra, reclasse-les sur des comptes conformes au 6 quadra. Okay, okay. Donc, l'application va chercher les comptes les plus proches et puis aller les replacer. Automatiquement, sans réfléchir. Donc, je clique sur OK. Je clique sur oui. Donc, l'application elle-même va passer les réflexions. Elle propose des retraitements. Voilà, des retraitements. Voilà. Ça, comptable. Parce qu'en temps normal, une fois que je suis là, je devais retourner dans ma comptabilité, passer ces replacements-là. C'est ça. Au niveau du crâne, tu vas repasser les pièces. Voilà, c'est ça. Okay. Et là, l'application elle-même te propose des écritures de reclassement. C'est ça. Pour chacun de ceux qui ne sont pas bons. Bon, là, par exemple, c'est sur N. Tu es en train de passer les écritures sur N. Voilà, ça finit de passer les écritures. Donc, par exemple, suite à ce traitement-là, je vois que l'application, voilà, à la fin, ça t'envoie un rapport. Il te dit que un rapport de fin de correction. On dit si compte non mappé ont été identifiés. Les comptes suivants ont été reclassés. Par exemple, ces comptes-là, voilà, leur emplacement d'origine, ça a été reclassé sur ces comptes-là. Ensuite, ça a été reclassé sur les comptes les plus proches. Ensuite, on dit si comptes non conformes au plan 6 quadra ont été identifiés. Donc, ces comptes-là, par exemple, regarde, c'est 13 000. Bon, ça, c'est pas 6 quadra. Donc, ça a proposé ce compte-là. Et autres, tu vois. Maintenant, en fait, il y a la possibilité, certains comptes peuvent ne pas être ce que vous souhaitez. C'est un traitement automatique. Vous pourrez aller modifier. Donc, c'est pourquoi on dit attention, merci de bien vouloir réviser l'écriture passée dans la feuille ajustement. Maintenant, vous pouvez même exporter ce rapport-là sur un format que vous pouvez voir. Mais bon, on n'a pas besoin de tout. Donc, par exemple, voilà l'état des ajustements qui s'est passé. Donc, tous ces ajustements ont été passés sur la balance N. Donc, tu vois, par exemple, quand je prends le compte 471, comme ça, compte d'attente à régulariser, là, je vois que ça a mis ça sur le 471. Le solde, ça a éliminé le solde pour le remettre sur ce compte. Oui. Voilà. Donc, je vais refaire la même chose. Parce que quand on a lancé l'analyse pour N-1, on a vu qu'il y avait la même chose. Il y avait le même problème. Je peux aussi lancer le reclassement des comptes exclus à partir de là.
Donc, je vais choisir la balance M-1. Voilà. On me demande si je souhaite aussi pour les comptes non conformes. Je vais faire OK. Donc, ça va refaire la même chose automatiquement. Oui. Comme vous voyez, en fait, le système a généré le rapport de fin de correction avec les comptes qui ont été replacés, tout et tout. Donc, on demande encore si vous voulez exporter. Je vais mettre non. OK. Donc, il y avait les écritures de N. Ça a mis les écritures de N-1. OK. La balance N-2, là, si tu te rappelles, on ne l'avait pas analysée. Mais on peut directement brûler les étapes. En ne faisant pas l'analyse d'abord de la balance, on va juste cliquer sur ça. On va cliquer juste sur ça. On clique juste sur le bouton là. Et puis, on choisit balance. M-1. Okay. Le système lui-même va détecter le fait que la balance a besoin d'être analysée. Voulez-vous analyser la balance? Ça va commencer par analyser la balance. Et puis, automatiquement, ça va lancer le second traitement. Le rapport de synthèse avec les corrections apportées. Voilà, voilà. En fait, ça va lancer les deux traitements les uns après les autres. Ça va analyser la balance. Ensuite, après l'analyse, ça va passer les écritures. Il y a un cadran à gauche, en haut, à droite. Au niveau du cadran bleu, quand on donne les numéros, intitulés ont été modifiés. Oui, en fait, pour l'analyse, après, quand le traitement sera terminé, on va aller sur la feuille. En fait, pour l'analyse de la balance, ce qui se passe, c'est que le système, pour pouvoir vérifier que les comptes sont conformes, là, ça va aller les comparer à la balance et au plan de compte. Voilà, au plan comptable, voilà. C'est pourquoi, en fait, ça fait des va-et-vient entre la balance et le plan de compte Syscoada. Ok. Tu vois. Mais le plan de comptable, on l'intègre ou bien ça peut être modifié? Non, c'est déjà dedans. Le plan comptable Syscoada, on n'a pas besoin, on ne modifie pas. C'est une norme jusqu'à ce que le référentiel change. C'est ça. C'est comme créer des sous-comptes. Si on peut, genre, créer des sous-comptes à l'intérieur. Non, il n'y a pas de souci. Oui, vous pouvez créer des sous-comptes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, tout ce que vous créez doit être lié au compte, à des comptes spécifiques qui sont dans le plan. C'est ça. Scuada. Si ce n'est pas relié, ça va créer des décarts et puis bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, oui. Voilà. Donc, par exemple, ça a généré maintenant N-2. Donc après cela, après avoir lancé ces critiques d'ajustement-là, ce qui va se passer, quand je vais lancer le recalcul, là, le système va faire quoi? Le système va prendre les informations des balances générales ici, plus l'impact des écritures de replacement, enfin des écritures extra-comptables, et puis recalculer les détails de malveillance. Donc, je clique sur recalcul. Voilà. Donc, ça a remis à jour mes détails. Donc, je retourne sur mon tableau de bord de cohérence là. Si je clique sur là, voilà. Donc, je vois que mon bilan qui n'était pas équilibré là, il est maintenant équilibré. Je vois qu'en termes d'équilibre, enfin, on peut aller même voir les détails. Par exemple, il y a 12 contrôles ici. Équilibre des balances. Voilà, on peut aller voir. Si vous cliquez ici. En détail. Voilà, ça vous donne le détail. Voilà, ça vous donne le détail de calcul. OK. Ouais. Maintenant, si vous voulez, par exemple, vérifier l'intangibilité des grandes masses. Voilà, par exemple, là,
c'est-à-dire entre n-1 et n-2, est-ce qu'il y a, une concordance des soldes? C'est-à-dire, est-ce que la balance de clôture de l'exercice n-1 est identique à la balance de clôture de l'exercice n, une balance d'ouverture? Voilà. Donc, ça, ça fait ce contrôle. Là, par exemple, ce contrôle-là, c'est un contrôle au niveau des grandes masses. C'est un contrôle au niveau des grandes masses du bilan, c'est-à-dire les comptes 1, les comptes 2, les comptes 3 et 4. Mais vous pouvez aller plus en détail. Vous pouvez aller plus en détail encore. Okay. Donc, c'est pourquoi j'ai créé cette fonctionnalité qui s'appelle contrôle avancé de l'intangibilité. Contrôle avancé. Voilà. Donc, quand je clique dessus, ça va me demander est-ce que je veux faire ça, lancer l'analyse là sur les balances initiales, c'est-à-dire les balances que j'ai collées là, ou bien sur les balances ajustées, c'est-à-dire après l'exécution d'ajustement. Donc, je vais sur les balances initiales. OK, OK. Parce que tout bon comptable, généralement, quand on veut faire les liasses ou bien des travaux, très souvent, on se demande est-ce que la balance que j'ai là, c'est la bonne balance. Constaté, oui. Voilà. Donc, par exemple, là, quand je vais cliquer sur oui, ça va me demander si je veux contrôler l'intangibilité entre N et N-1, entre N-1 et N-2, N-2 et N-3. Tu vois. Mais je vais mettre ici 1 parce que je veux entre ces deux. Donc, je vais voir ce qui va m'arriver. OK. Voilà. Donc, je vais faire OK. On va voir ce que l'application va faire. Merci. Mais une possibilité, par exemple, de voir les comptes le du grand terminal. Pardon? OK, je vois. Le traitement est terminé. Donc, tu vois, tu as la balance N, tu as la balance N-1. En temps normal, c'est quelque chose qui t'aurait pris un temps fou pour pouvoir mettre ces deux balances à côte comme ça. Ah, c'est ça, hein. J'espère que tu me comprends. Oui, je vois, parce que c'est pour ça qu'on doit utiliser Excel à tout moment. Voilà. Donc, tu vois, regarde, par exemple, là, ça a pris la balance N, ça a pris la balance N-1. Et tu vois, en fait, ligne par ligne, tu vois bien qu'on est OK. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'intangibilité. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas de problème d'intangibilité. Tu vois, maintenant, bon, sur les comptes de gestion, j'aurais pu m'exclure les comptes de gestion, j'ai laissé, mais sur les comptes de gestion, il n'y a pas de commentaire parce que... Bon, là, il n'y a pas de commentaire, oui. C'est pas concerné par l'intangibilité. Maintenant, sur les comptes 13, là, oui. Tu vois, là, par exemple, il y a un écart, mais toutefois, l'écart est justifié. Donc, ça a mis quand même OK. Quand bien même qu'il y a l'écart, ça a mis OK. Et le commentaire dit quoi? Car, attends une seconde. OK, car la somme des écarts sur les comptes 13 correspond au résultat de l'exercice précédent. OK, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est pour dire que le résultat de N-1 là. Si on prend les produits moins les charges là, c'est ça qui correspond à l'écart. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le traitement avancé de l'intangibilité là. Ça, c'est un contrôle, par exemple. C'est quelque chose d'anodin, hein, mais de très utile. Oui. Parce que tu es auditeur, tu vas devoir pointer un à un. Alors que là, en un clic, tu vois, j'ai déjà un sens. Tu vois, dans ce même traitement-là, je peux le lancer aussi, si je veux, pour les balances ajustées, c'est-à-dire les balances après les écritures d'ajustement. Et puis aussi même, pardon, je ne t'ai pas montré aussi, par exemple, ce compte-là, si je prends la balance N-2, ce compte-là, par exemple, il était, on disait que le compte n'était pas bon, le système a passé les écritures pour pouvoir repasser ce solde-là. C'est ça. Tu vois. Donc, je peux aussi cliquer sur visualiser balance ajustée pour voir en fait qu'est-ce qui est arrivé au solde de ce compte-là. Il y avait 6 millions de francs CFA sur le compte. Voilà, il y avait 6 millions sur le compte. Je fais visualiser balance ajustée. Voilà, la balance ajustée de N. En fait, le système va calculer. Voilà. Donc, tu vois, quand je prends la balance ajustée de N, qu'est-ce que je vois sur ce compte-là? Là-bas, c'est zéro. Voilà, le solde est annulé. Tu vois. Donc, ainsi de suite, si tu veux voir ta balance ajustée, les crédits qui ont été impactés là.
Tu verras, en fait, tous les comptes, je peux prendre aussi même d'autres exemples hein, si tu veux. La balance N-2 là. C'est ça. Par exemple, si je prends le compte 77-41, par exemple. 77-41, normalement, le solde était classé sur le 77-45. C'est donc, ça. Donc, je peux aller sur la balance ajustée pour voir. En tout cas, tu peux analyser toi-même au plus petit niveau de détail. C'est ça. Tu vois, et c'est Excel. Tu vois, regarde. Donc, tu vois, ça a été reclassé. Voilà, tu vois que là, c'est soldé. Donc, ça a été déplacé. Oui. C'est ça. 77,45. Et là-bas, il est parti. Voilà, OK. OK, donc ça, on peut continuer. Maintenant, oui. Mais l'intangibilité, là, c'est par rapport à la balance ajustée. Pardon? L'intangibilité, là, c'est par rapport aux balances ajustées. Non. Les balances après correction. Non, pas forcément. Je dis, tu peux lancer ça sur les deux. C'est-à-dire, tu peux décider de lancer ça sur... tu vois, quand tu cliques sur le bouton... Contrôle avancé, décider, là. Ça peut, tu peux décider... Regarde. On te demande, souhaitez-vous effectuer le contrôle sur la balance initiale ou la balance ajustée. Okay. Si oui, si balance initiale, oui. Si balance ajustée, non. Donc, si tu mets non... Voilà, là maintenant, ça va recalculer les deux balances ajustées des deux périodes et puis te les balancer. C'est ça. Voilà, donc par exemple, là, je fais non. Si par exemple, je choisis ça là, sur N et N-1, je peux cliquer. Tu vas voir que là, on aura beaucoup d'écart. Oui. Attends, je vais t'expliquer, et puis je vais t'expliquer pourquoi. Seconde, ça vient. En tout cas, tu peux utiliser ça même pour toi-même pour pouvoir investiguer certains problèmes, pour pouvoir comprendre. Voilà. Effectivement. Donc, voilà. Donc, tu vois, cette fois-ci, comparé à l'autre qu'on avait fait là, tu vois que cette fois-ci, il y a une différence en termes d'intangibilité au niveau de ce truc-là. Mais c'est lié au fait qu'il y a eu un reclassement. C'est ça. Voilà, il y a eu un réclassement du solde. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qui fait qu'il y a cette différence qui est venue. Maintenant, toutefois, compte tenu du fait que c'est dans la même classe de compte-là, ça ne va pas vraiment créer de déséquilibre au niveau de ton TFT ou bien de tes autres états. Ça, comme c'est dans le même compte-là. Non, dans la même classe de compte. Ça ne va pas te créer d'écart, tu vois. Sinon, partout où il y a des trucs, ça va te créer des écarts. Donc c'est ça quoi. Donc, tu vois, il y a, par exemple, les titres ont changé. C'est balance générale N ajustée. Balance générale N-1 ajustée. Donc, c'est les deux que ça comprend. Et puis, bon, lors du traitement aussi, ça a même généré aussi les balances ajustées N et puis N-1 que tu vois ici. Et ça, tu as les balances d'origine. Tu vois. Maintenant, on continue. Ça, c'était juste pour te parler de quelques petites fonctionnalités assez intéressantes. Donc, on retourne maintenant. Notre objectif, en fait, c'est d'avoir notre liasse entièrement réconciliée et de bonne qualité. Donc, on revient sur notre tableau de bord pour voir, en fait, qu'est-ce qui reste comme problème à résoudre. Bon, là, par exemple, je vois problème d'intangibilité, c'est parce qu'il n'y a pas N-1, N-3. Hein. N-3. Voilà, il n'y a pas N-3, c'est pourquoi on a ces erreurs-là. Ça, c'est normal. Si je mets N-3, ça va venir. Ce n'est pas vraiment un problème. Maintenant, quand je viens ici, je vois notre contrôle ici, on me dit cohérence entre le bilan et les notes. Je vois que sur N, j'ai un écart. Je vais essayer d'investiguer l'origine du problème. Donc, je fais... pour voir, je vais voir en fait de quelle note il s'agit. Donc, je clique sur voir détail. Je vais aller voir le recoupement concerné là. Donc, là, par exemple, dans le détail du calcul, tu vois, j'ai le bilan ici, mon bilan, et puis j'ai ce que les notes disent. Voilà, l'information que j'ai dans les notes. Maintenant, si j'ai un écart ici, si j'ai un écart ici, c'est pourquoi, attends, je vais voir, je vois que l'écart se situe à ce niveau-là. Oui. L'écart se situe à ce niveau-là. Le
Voilà, en fait, voilà, je me rappelle qu'il s'agissait du problème de... Des charges immobilisées. Voilà, des charges immobilisées. Quand bien même que mon bilan est équilibré, oui. On me dit, attention, dans mes notes là, dans mes notes, ce qui se passe, c'est que j'ai un short de 6,7 millions ici, alors que là, j'ai un short de 13,5 millions. Donc, je peux être intéressé à aller voir, en fait, pourquoi, d'abord, dans un premier temps, ce que je vais faire, ici, quand je suis là, quand je suis là, je peux voir déjà comment le calcul de ce solde-là, ce compte-là est fait. Tu vois? Tu me suis? Je me suis. Voilà, j'ai 6,7 millions là. Je peux chercher à savoir. Donc, je clique sur le bilan. Je clique sur le bilan. Ça m'envoie sur le bilan. Je vois les 6,7 millions. Ah, ça va me ramener sur la feuille paramétrage que je t'avais montré auparavant où j'avais dit que on avait tous les détails de calcul. Donc on va aller voir qu'est-ce qui constitue ça. Donc je clique sur voir détail, ça m'amène sur le calcul. On me dit que c'est le solde du compte 21. Voilà. Donc 211, en fait, qui me donne ça. Tu vois. Donc, maintenant, je sais comment est-ce que le calcul a été fait. Deuxième chose que je vais faire maintenant, je vais alors retourner sur... maintenant, je vais aller voir au niveau de la note qu'est-ce qui a été pris en compte dans le calcul. Toi-même, même si tu n'es pas celui qui a fait l'application, toi-même, tu dois pouvoir investiguer le problème. C'est ça. En tout cas. Voilà, tu vois. Donc, maintenant, je vais sur la note. C'est la note 3. Il y a des raccourcis. Donc, je clique sur la note 3. Je viens ici. OK. Donc, tu vois, en fait, quand je viens ici, je vois que... OK. Je vois que ici, on me dit que à l'ouverture, montant brut à l'ouverture de l'exercice. Donc, comment le calcul est fait, c'est le solde de compte 21. Hein. À l'ouverture, on dit montant brut à l'ouverture de l'exercice. On avait 6,7 millions. Et on a fait des acquisitions de 6,7 millions. En fait, je pense que le problème ici provient du fait qu'on est passé des écritures d'ajustement extra-comptable. Hein. En fait, ça vient de déséquilibrer cet état-là parce que... Oui. Est-ce que tu me suis? Oui, je vous suis. Très bien. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu d'acquisition. Tu vois, en réalité, il n'y a pas eu d'acquisition. Il n'y avait pas un solde de 6,7 millions au début. Et puis, on peut même aller... Comme le compte a été basculé, là. Voilà. En fait, je considère ça comme une acquisition. Voilà. Mais encore une fois, cet état-là, il est automatique. C'est-à-dire, celui-là, il est automatique. Mais vu l'ajustement qui a été fait, là, il faudrait pouvoir corriger ça à ce niveau ici. Vous pouvez déplacer les formules. En fait, ce n'est pas une acquisition en tant que tel, mais c'est un virement de poste à poste. Mais c'est ça. Attends, je viens, en fait, là, en fait, dans la balance initiale, là, effectivement, il y avait un solde initial ici. Mais quand tu regardes en termes de mouvement, il n'y a aucun mouvement là. Il n'y a eu aucune acquisition. Tu vois? C'est ça qui va se retrouver. Mais maintenant, quand on a passé le reclassement extra-comptable là, ce qui s'est passé, le reclassement extra-comptable a créé, en fait, un mouvement ici. En fait, sur les comptes 21, là. Voilà, tu vois, il y a dans la balance ajustée, j'ai la balance ajustée ici. Tu vois, ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé ici, dans ma note 3 qu'on regardait tout à l'heure, là. Oui. La note 3, en fait, lit cette ligne-là pour pouvoir faire ses calculs. Alors que cette ligne-là n'est pas pris en charge par la note 3, parce que ce compte-là n'est plus conforme au 6 quadra. Tu me comprends? Parce qu'en temps normal, ce qui a été soldé pour amener dans le compte 211. Voilà.
En temps normal, si ce compte-là était pris en charge dans ma note 3, là, ça n'aurait pas posé de problème. Parce qu'en termes de mouvement, ça allait me donner zéro. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait additionné ça. Mais comme ce compte-là n'est pas pris en compte, c'est pourquoi ça me met là-bas comme si c'était une acquisition. Ça lit seulement ce montant-là, sans lire en fait celui-là. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut, dans ce cas-là, pour pouvoir... André. Voilà. Allô? Uh-huh. Mais dans la note là-haut, voilà, dans est-ce la que note, c'est modifiable? Voilà, c'est modifiable. C'est modifiable. On peut déplacer ça. Voilà, on peut déplacer. Tu peux même saisir si tu veux. Tu peux juste me mettre zéro. Parce qu'en réalité, ça doit être zéro ici. Ça doit être zéro, effectivement. Et pour aller au niveau de l'autre. Voilà. Il m'a de quoi sa poste là. Voilà, ça doit être parce que c'est là-bas qu'il doit être. Ou bien, ce que tu fais, voilà, tu, au lieu de mettre ça là, tu déplaces ça là. Voilà, c'est ça. Tu déplaces ça là pour faire ton ajustement, pour que ce soit reconcilié. Tu vois un peu comment toi et moi, on a pu investiguer le problème et puis trouver la solution. Voilà. C'est ça. En fait, vraiment, si c'était une application web ou bien Windows, tu n'aurais pas pu rentrer dans les formules pour pouvoir comprendre en fait comment les calculs se sont faits. Pour pouvoir obtenir le résultat qu'on a. Donc, on continue de regarder encore. Bon, donc là, par exemple, cette incohérence avec le truc, c'est lié à ce qu'on a vu là. Maintenant, je vois encore une autre incohérence entre le compte de résultat et les notes. On peut aller voir, on fait voir détail. Okay. Donc, quand je viens dans ce truc là, je vois ici que c'est sur cette ligne là que j'ai le cas de 27 millions. La première ligne. 27 millions et 24 millions sur un mois. Donc, là, par exemple, c'est sur la note 12. Ce que je constate déjà à première vue, c'est qu'au niveau du compte de résultat, il y a des montants et ici, il n'y a aucun montant. Mais je crois que j'ai une idée déjà d'où vient le problème. Parce que, en fait, cette note-là, normalement, doit être saisie manuellement. Voilà. Ça doit être saisi manuellement sur les transferts de charges. Là. En fait, voilà. En fait, le contribuable ou bien la personne fait cet état-là. C'est seulement pour cet état-là, c'est manuel. Parce qu'on demande de donner la nature des charges à transférer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, tant que vous n'avez pas rempli ça manuellement, ça ne va rien donner. Mais toutefois, les autres notes sont automatiques. Hein. Tout est venu automatiquement. Sauf la note 12. Toi. Voilà, sauf la note 12. Bien, par exemple, cette note-là, par exemple, tableau d'étalement des créances immobilisées. Ça, par exemple, à partir de ta balance, je ne peux pas imaginer, le logiciel ne peut pas imaginer cela. Tu vois? Ça. Voilà, donc, certains sont automatiques entièrement. D'autres, en fait, nécessitent une intervention manuelle. Donc, c'est ce qu'on a vu là-bas. Donc, ça, en fait, c'est une question de remplissage de trucs. Maintenant, quand on vient ici aussi, je vois que ça me met encore ici une incohérence sur le truc. Donc, là aussi, on regarde. Il y a une incohérence sur le tableau de flux. C'est toujours le même problème de charges immobilisées. C'est toujours le même problème des charges immobilisées. Parce que là, ça a mis ça ici comme une acquisition. Mais si on corrige ça de l'autre côté, sur la note là, la note 3A, là, ça va venir corriger ça ici. Effectivement. Voilà, ça va corriger ça ici. Tu vois. Donc, on continue. C'est ça qui justifie les cas. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres recoupements que le système fait, notamment sur les provisions et les amortissements, parce qu'il devrait avoir un genre de symétrie entre les comptes. Par exemple, entre les comptes 68 et les comptes 28, là. Comme ce sont ces comptes-là, ça ne passe que des provisions et des amortissements. En fait, il faudrait qu'il y ait une certaine symétrie. Donc, j'ai mis des recoupements, des contrôles de recoupement ici, pour détecter s'il y a des amortissements directs ou bien s'il y a des problèmes. Il y a des amortissements qui sont mal passés. Parce que, par exemple, dans certaines entreprises, tu peux voir que les gens, en fait... Allô, tu m'entends? Oui, allô, je vous entends. Oui. Voilà. C'est dans certaines entreprises, il peut y avoir des erreurs ou bien ça peut être intentionnel, je ne sais pas. Au lieu de passer l'amortissement transitant par le compte 28, oui, ils peuvent débiter le compte 68 sans créditer un compte 28.
ou bien il peut aider. Oui, il y a des cas comme ça. Ça arrive souvent, ça peut être une erreur de sa vie. Hein. Okay. Ça peut être une erreur de sa vie. Voilà. Et puis comme par exemple aussi, il y a des entreprises, par exemple, il y a des personnes, ils ont un compte d'immobilisation. Au lieu de transiter, passer l'amortissement en débitant le 68 et créditer le 28, ils vont débiter le 68 et créditer, par exemple, le 24 directement. C'est ça. Tu vois, ça, c'est pas bon. Directement. OK. Non, voilà, c'est un amortissement direct qui n'est pas bon. C'est ce qu'on faisait pour les charges immobilisées, mais que la classe maintenant même n'existe plus. Donc, on ne devrait pas avoir ce type de futur. OK. Donc, ça, c'est comme ça, mieux, il faut passer la charge en même temps. Oui, passer du mouvement la charge en même temps. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'amortissement. Quoi. Ça arrive. Souvent, c'est intentionnel chez certaines entreprises. D'autres entreprises, c'est des erreurs de saisie. OK. Des erreurs de saisie qui peuvent causer ça. Et puis, ce problème-là, ici que le contrôle en train va détecter là, ça peut créer des déséquilibres au niveau de votre TFT et autres. Si ça, ces déséquilibres sont mal passés, ça crée des déséquilibres. C'est pourquoi j'ai mis ce contrôle-là, pour pouvoir identifier ce problème-là. Par exemple, si les classes 3, quand on doit passer des provisions, en fait, je m'attends qu'il y ait une certaine cohérence. Voilà. Voilà. Donc, brièvement, c'est cela. Quoi. Donc, normalement, si vous passez en revue et corrigez toutes ces erreurs-là, normalement, vous devez pouvoir avoir une liasse OK ici, entièrement OK. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans les feuilles, mais déjà, ce tableau de bord-là vous permet de savoir les problèmes. Je vois qu'on n'est pas vraiment allé sur les notes elles-mêmes ou bien sur les états. Oui. Mais en fait, passer sur les notes. Voilà. Chaque note pour vérifier là. On regarde ici sur le mur. Voilà, de faire des recoupements. Tu as tout ça ici. Au niveau du TFT, très souvent, quand vous avez des problèmes pour équilibrer votre TFT, en fait, il y a au niveau de l'application un assistant que j'appelle assistant tableau de flux de trésorerie. Assistant tableau de trésorerie. Voilà. Donc, quand tu cliques là-dessus, en fait, c'est un genre de questionnaire qui te pose des questions, qui te donne des réponses si, en fait, le cas est applicable à votre truc. Par exemple, attends, il y a jusqu'à 15 étapes. Par exemple, si je prends la partie des immobilisations corporelles, dans un premier temps, le système te dit, en fait, comment c'est calculé. Tu peux aller voir plus de détails dans la feuille paramétrage SMI. Tout est détaillé là-bas. Et ça te donne, en fait, la valeur calculée automatiquement par l'application. Et maintenant, ça te pose des questions. Est-ce qu'il y a eu l'évaluation du bilan au cours de l'année N? Si oui, en fait, ce qu'il faut faire, le traitement opéré, neutraliser l'effet de l'évaluation. Les acquisitions, les sols, les amortissements, les laboratoires. Okay. Donc, par exemple, je prends par exemple le cas d'ici, le cas 4 là. On dit, y a-t-il eu paiement d'avance et d'acompte d'immobilisation? Dans le cas 4, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, rajouter les avances et acomptes payés au cours de l'exercice, si l'immobilisation non livrée au cours de l'exercice. Et les retrancher si les immobilisations livrées, blablabla. Donc, supposons par exemple que là, on veut par exemple faire un ajustement de 100 000 dollars, par exemple de 100 000 francs CFA, ou bien disons de 1 million de francs CFA. Donc là, vous avez la valeur calculée automatique, vous avez la valeur après retraitement, et puis vous avez en temps réel l'équilibre de votre TFT. Actuellement, là, on a déjà équilibré. C'est vrai qu'il n'y a pas de nécessité de faire des retraitements. Mais supposons que, par exemple, je veux retrancher 100 000 ici parce qu'il s'agit, par exemple, d'avance ou bien de trucs qui n'ont pas été équilibrés, des choses comme ça. Donc, c'est simple. Je vais faire simplement ça. Je vais taper ici pour pouvoir retraiter la valeur
la valeur calculée automatiquement. Et okay. Tu vois en temps réel l'impact que ça a sur le tableau de flux de trésorerie. Tu vois. Donc, c'est pareil pour tous les postes. Donc, ça, c'est un genre de checklist ou bien d'aide mémoire qui te rappelle, en fait, pour chacun des postes du TFT, là, les contrôles à opérer. Si tout ça, c'est pas applicable dans votre cas, par exemple, les augmentations d'apport nouveau, là, ça fait le calcul en voyant la variation des comptes, le capital et autres. Mais si on dit si des flux de réels irréels ont-ils affecté le crédit, blablabla. Si par exemple il y a eu des virements de compte à compte et que la valeur calculée automatiquement n'est pas bonne, vous pouvez venir ajuster ça ici. Donc par exemple, là. Le différentiel, quoi. Voilà. Vous pouvez ajuster ça ici. Et ça, bon, souvent, celui qui a une bonne connaissance d'entreprise sait comment faire ces ajustements. Il y a des critiques qui ont été passées durant l'exercice qui font que le calcul n'est pas bon. Tu peux savoir ça ici et puis ajuster. Donc, en fait, au niveau du TFT, par exemple, il y a deux méthodes. Soit tu peux utiliser les écritures d'ajustement extra-comptable. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas montré. Donc, en fait, tous ces ajustements que tu comptes pas ici, là, dans cet ajustement-là, ça va se répercuter directement sur la LIA 5. Par exemple, là, on a oui. Un truc. Voilà, regarde par exemple, là maintenant tu vas voir que le TFT n'est pas équilibré. Tu vois, parce que j'ai entré des données là-bas. Des données, oui. Voilà. Mais puis, une fois corrigé, là ça va corriger le tableau de bord. Oui, oui, bien sûr. Si je corrige, ça va corriger. Et puis là, pardon, si par exemple j'ai des problèmes de déséquilibre que je veux corriger, on peut corriger ça aussi à partir de ça. Chez Excel. Voilà. Non. Chez Excel pour les voilà. Vous pouvez passer des écritures extra-comptables. Pardon? Alors, par exemple, je peux passer une écriture manuellement. Voilà, là, ça va me demander débit, crédit. C'est un exemple que je suis en train de faire comme ça. Voilà, donc je mets comme libellé. Et non, bon, le libellé vient automatiquement. Comme le compte est déjà dans la balance. Ah oui. Voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est un montant de 100 000. Je vais venir au crédit. Je vais choisir le compte que je veux. Voilà. Le libellé va venir aussi automatiquement ici. Donc, je vais mettre 100 000. Bon, si par exemple, je me trompe que je ne mets pas le bon montant. 20 000. Ah, ok. Voilà, là, ça me dit que l'écriture n'est pas équilibrée. En okay. Fait, on ne peut pas saisir. Tant que j'ai fait, je n'ai pas donné l'autorisation aux utilisateurs de saisir directement sur la flux Excel. Parce que si j'ai sur la flux Excel directement, là, il y a un certain nombre de contrôles que je ne peux pas forcer l'utilisateur à faire. Parce qu'une écriture doit, par exemple, être équilibrée et puis respecter un certain nombre de critères de qualité. Par exemple, là, ce n'est pas équilibré. Donc, avant même que ça mette ça sur la feuille des ajustements, ça me dit. Donc, quand je vais ajouter le 0 en plus, alors là, ça va. C'est équilibré maintenant. Donc, tu vois que c'est venu s'ajouter. C'est venu s'ajouter. Donc, quand par exemple, je sors de là, ça va aller mettre à jour les balances ajustées. Ça va aller mettre à jour les balances ajustées. Donc, l'écriture que j'ai passée là, par exemple, est là. Voilà. L'écriture que j'ai passée là. Tu vois. Voilà. Donc, pour pouvoir faire les corrections, là, il y a deux possibilités. Bon, il y en a trois. Hein. Je peux dire qu'il y en a trois. La première, tu peux utiliser l'assistant, si c'est au niveau du tableau de flux de trésorerie. La deuxième, tu peux aussi passer des écritures ici, extra comptable. Troisièmement, d'autres personnes, bon, quelque chose que je n'encourage pas, ils vont aller faire soit des modifications au niveau de la balance et autres. Du grandir, pour revenir, voilà. Importer. Voilà. Mais tant que j'ai conçu l'application, c'est qu'une fois que vous mettez votre balance là-dedans, vous n'êtes pas sûr de venir faire un changement. Vous utilisez soit les assistants, soit les écritures extra-comptables pour le faire. De même que le paramétrage là, le paramétrage des détails là, normalement, tu n'es pas censé venir faire des modifications ici. Pas censé venir faire des modifications, mais
Bon, à moins que ce soit des cas extrêmes ou peut-être il y a une erreur de truc. Il peut y avoir des cas spécifiques. L'application n'est pas 100% parfaite. Il peut y avoir des plus ou moins. En tout cas, la majorité des cas que j'ai eu jusque-là, même si les écritures sont bien passées, il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, il y a les 100 000 qu'on a passés, pour te montrer en fait à quel Ça point qui est à quel point le truc est vraiment détaillé. Donc, tout ça, c'est ce qui a été calculé manuellement et automatiquement. Et l'ajustement qu'on a passé dans l'assistant, là, tu vois, c'est venu se reporter. Donc, tu sais exactement comment tu as obtenu le solde. ça. OK, donc c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, Maintenant, bon, grosso modo, Adam. ça, c'est pour la partie expertise comptable. On OK. peut maintenant Tu rapidement vois descendre. que, au niveau des balances là, Oui. parce qu'une fois que c'est corrigé à partir des assistants, de l'assistance là, bon, pour revenir se conformer aux imputations là, maintenant il faudra repérer par exemple ou bien imprimer la synthèse de Des écritures. l'assistance là. Voilà, effectivement, pour essayer de modifier, voilà ça. Quelque chose qu'on peut imprimer. Bon, on peut imprimer. Si vous avez une licence complète, vous pouvez imprimer, vous pouvez copier-coller. Là, il n'y a pas de souci. OK. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez imprimer, vous pouvez coller. On va griller l'obtenir, quoi. Comment? Je dis, on va griller l'obtenir. OK. En tout cas, c'est mon souhait aussi. Donc, ça, c'est pour la partie OK. expertise comptable. Bon, C'est il y a ça. encore d'autres petits trucs, comme par exemple la gestion des commentaires. Par exemple, tu sais, avec le SysQuadra révisé, là, on demande de commenter tous Les notes là. les notes. Voilà. Donc, il y a un petit utilitaire ici qui va vous permettre de choisir, en fait, la note. Et puis, dès que vous rentrez l'information, ça va aller se mettre là-bas dans l'espace des commentaires. Donc, par exemple, ça, par exemple, c'est la note 3B. La note 3B, je vais rentrer quelque chose, je vais faire insérer. Je vais sortir, par exemple, la note 3B. J'ai tapé des jeux. Voilà, c'est la note 3B. Tu vois, en fait, ce que j'ai saisi là, tu vois, c'est venu ici. Si je veux aussi, je peux même aussi décider de venir taper ici. Modifier à l'intérieur en même temps. Voilà, je peux venir modifier à l'intérieur maintenant. Mais tu vas voir, quand je vais aller maintenant, là, dans le commentaire des notes, là, tu vas voir ce que ça va faire. C'était sur la note 3B. Ça fonctionne en fait dans les deux sens, en fait. Sur la note 3B, je peux aller directement sur la note 3B, tu vois. Effectivement. Tu vois. C'est ça qui Donc, est en venu fait, ici, effectivement. là, Donc, il y a directement. deux systèmes aussi pour modifier les notes. Ouais. OK. Et puis, en fait, dès que j'ai fait comme, en fait, ici, souvent, certains détails-là, les instructions des notes, là, peuvent être chargées ici. C'est écrit en hébreu ici, mais quand tu viens ici, tu as les instructions pour la saisie des notes. Quand tu vas d'une note à une autre, comme ça va venir. Voilà. Quand tu Venu. vas d'une note à une autre, tu vois, quand je défile, tu vois les instructions qui sont en haut. OK. Voilà, c'était enlevé là-bas que j'ai mis ici. Donc, tu lis les instructions et puis tu saisis. Et puis, tu sais, En souvent, même dans temps. Excel, là, souvent, c'est un peu compliqué de voilà la ligne. Alors que là, c'est juste C'est entrer. ça. Entrer, Taper entrer. entrée directement. Voilà, entrer directement. Et puis, ça va s'insérer. Tu cliques sur insérer, ça va aller. OK. Tu finis après, tu mets insérer. Voilà, insérer. Par exemple, là, c'est la note 13. Je fais insérer. Parce que si tu cliques sans insérer là, ça ne va pas prendre. Non, non, ça ne va pas prendre. Par exemple, là, par exemple, tu vois, j'ai fait insérer, c'est venu se mettre ici. Ça. Bon, donc, je vais supprimer. Donc, c'est ça pour la partie expertise comptable. Donc, ensuite, on va aller maintenant sur la partie audit, Là. là. La partie audit. En fait, qui commence à partir de là. Donc, tu vois, par exemple, là, ça a alimenté automatiquement mes bilans. Mon bilan de N, de N-1, et puis de N-2.
les variations d'examen analytique fait. Tu vois, avec les variations en pourcentage, en valeur, le bilan, le compte de résultat. Bon. Donc, ça, c'est le compte de résultat qui est là. Les variations sur les trois exercices en pourcentage. Tout ça, c'est automatiquement. Hein. J'ai rien fait. J'ai juste mis les balances. Et puis, j'ai juste lancé. Ça m'a mis ça. Tu vois, en pourcentage du chiffre d'affaires. Tu vois. Tu as aussi le contrôle indiciaire automatiquement. Oui, ça c'est vrai. Avec la batterie de ratio, avec les hypothèses, les objectifs et autres. Tu vois, en termes de stock initial. Ça peut directement, mais tu peux voir en fait de quel type de société il s'agit. C'est ça. En tout cas, avec les stocks là. Oui, ce sujet de production. Voilà, le stock est élevé. Donc, ça, c'est pour les contrôles initiaux. Maintenant, on va maintenant sur les feux maîtresses. Les feux maîtresses, voilà. En fait, il y a plusieurs manières de faire, en fait, les feux maîtresses. En fait, comme je disais, en fait, à l'origine, là, c'est en essayant de développer l'automatisation des feux maîtresses que l'idée de faire ce logiciel-là m'est venue. J'étais dans un cabinet. Une équipe de 5 personnes a laissé une mission. On a pris toute une journée pour faire les feux maîtresses. 5 personnes. Parce que tout était mal. Et la balance du client, là, faisait près de 2000 lignes. Une très longue balance. Donc, en fait, je te montre hein, l'application. Oui, oui. Voilà. Par exemple, là où je suis, par exemple, si je veux prendre les soldes des comptes 24, par exemple, non, là, c'est immobilisation incorporelle. Bon, allons-y, je vais essayer de faire les feux maîtresses de la manière manuelle. D'abord, pour commencer, okay. Après, je vais te montrer comment on fait automatique. Donc, par exemple, si je dis je veux les soldes des comptes 21, il y a une fonction que j'ai créée qui s'appelle solde. En okay. fait, quand tu cliques sur la fonction solde là, ça va te donner, la possibilité de... Voilà, je clique sur ça, c'est le solde de ce compte-là. Donc, ça me demande solde recherché, le solde que je recherche. Attends, moi, j'ai un peu oublié la syntaxe. Une seconde. Okay. Attends, je retourne ici, je vais te montrer. Quand tu viens ici, Voilà en fait la fonction, comment elle fonctionne. Voilà la syntaxe. En fait, la fonction s'appelle sort, et puis là, tu as la netice, c'est n-1, n et autres, là, tu as ça. Okay. Donc, colonne de recherche, ça peut prendre tous ces paramètres-là. Ça peut être, soit si tu recherches le sort du compte, tu vas mettre S. Si tu recherches le sort débit, au débit, tu mets D. Si tu veux le sort de crédit, tu mets C. Si tu cherches le libellé, là, par exemple, c'est elle, tu vas mettre ça, tu fais revenir le libellé du compte, ou bien la description du compte, qui se trouve dans la balance, effectivement. Et puis, maintenant, colonne de recherche. Si, par exemple, c'est les colonnes de soldes finaux que tu cherches, ou bien la colonne de mouvement que tu veux lire, tu mets ça. Si tu veux ça aussi dans la colonne de soldes initiaux, tu choisis ça. Ça va aller lire là-bas. Ensuite, si, okay. par exemple, tu veux aussi faire ton calcul sur la balance initiale, sans retraitement. Si tu veux faire ça sur la balance finale après ajustement, bon, par défaut, c'est la balance finale après ajustement que ça prend. Donc, je vais retourner sur... je peux utiliser ce raccourci là pour aller directement sur... Voilà, j'étais sur immobilisation corporelle. Voilà, c'est un raccourci. Donc, ce que je vais faire... Je vais utiliser la fonction sort n. Ça c'est la méthode manuelle, hein, comme je dis. Donc, je mets le numéro de compte. Je peux saisir aussi 21 ici. Et puis, je vais mettre L comme sort de chercher. Mais à où la compte là? Ça, c'est venu. Comment ça? Tu vois, compte J18 là. Non, j'ai juste. Regarde, j'aurais pu taper 21 ici. Mais okay. j'ai pris la valeur. J'ai dit que j'ai cliqué dessus, sur la cellule, okay. pour que ça aille lire le numéro de compte là-bas.
le compte en même temps. Voilà, donc tu vois, par exemple, okay. Là, ça m'a fait venir la description. Mm-hmm. Fonds commercial. Donc, par exemple, là, maintenant, c'est le sort N. Je vais faire sort. Ça, c'est la méthode manuelle hein, de l'application. C'est ça. Sort N. Encore une fois, pour ne pas me fatiguer, je vais juste faire référence à cette cellule-là. Donc, ça, c'est le sort de N. Bon, je n'ai pas besoin de mettre quelque chose. Hein. Par défaut, ça va venir. Sort de N. Si je veux maintenant sort de N-1, je vais prendre la fonction sort de N-1. Je vais juste cliquer sur le numéro de compte. Je vais prendre ça ici. Et puis, je vais faire OK. Tu vois? Apparemment, le sort de ce compte n'a pas modifié. Donc, par exemple, si je vais faire 22, je vais faire 22, par exemple. Je vais faire 23. Je vais faire 24. Par exemple. Donc, la raison pour laquelle j'avais préféré prendre les références relatives là, c'était pour pouvoir tirer comme ça. Voilà. OK. D'accord. Attends. Voilà. Voilà. Tu vois, automatiquement, quand je tire, tu vois, ça me donne le sort. Tu vois, ces comptes-là n'ont pas varié, mais par contre, ce compte-là, il a varié. Donc, si oui. Je veux mettre 25, mettre ce compte 25. Bon, je ne comprends pas pourquoi ça me met ça. Peut-être que c'est à cause de cette cellule-là. Ah, apparemment, il n'y a pas de compte 25 dans la balance. Tu vois, ça a mis un message d'erreur. Donc, tu vois, ça, c'est la méthode manuelle. Oui. Maintenant, il y a une méthode. C'est manuel. Quand je dis c'est manuel, là. Attends, c'est manuel, mais je te dis que le temps que déjà même tu gagnes à faire ce que je suis en train de faire, là. Si tu faisais tes feux maîtresse, je veux dire, toi-même, manuellement, le temps, tu vois, avec quelle facilité je fais. Tu vois ce que je veux dire? Ok, oui, ça c'est vrai. Ça. Voilà, tu vois la facilité avec laquelle je le fais. Il n'y a même pas besoin d'aller rayer sur la balance, ça me fait ressortir les soldes automatiquement. Tu vois? Donc ça, c'est la méthode manuelle. Maintenant, la méthode automatique, là, en fait, c'est quoi? Tu peux utiliser ce module-là. Le module de sélection. Voilà. Select FMP maîtresse. Voilà. Ce module-là va te permettre de soit, en fait, ça, cette feuille-là, c'est la feuille de paramétrage, la feuille que tu vois derrière, c'est la feuille de paramétrage des feuilles maîtresses. On va aller là-bas. Il y a une autre méthode semi-automatique. Je vais te montrer. OK. Après. Donc, la méthode automatique, là, ça fonctionne avec l'approche du risque, par le risque. En fait, c'est quoi? OK. Quand je clique sur OK, ça va me ramener, en fait, normalement, dans la méthode de l'audit, là, on fait l'analyse des risques, on fait la revue du contrôle interne et autres, n'est-ce pas? Suite à cela, on tire des conclusions de l'analyse de nos risques. Tu me suis? C'est ça, effectivement. Voilà. Oui, je vous suis. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces conclusions-là, maintenant, en fait, pour chacun des cycles, vous savez, en fait, comment est-ce que vous allez pouvoir affiner ou bien orienter vos analyses de compte? Oui. Donc, du coup, en fait, tu as cet écran-là dans lequel tu vas rentrer les conclusions de ton analyse des risques. Donc, par exemple, si le titre immobilisation, tu vois qu'en termes de réalité, le risque est élevé, tu vas garder. Oui. Si tu vois, par exemple, en termes de bonne réputation, c'est faible, tu vas garder faible. Tu vois? Donc, tu continues. En fait, pour tous les sites, tu vas mettre voilà, la synthèse de ce que tu as pu. Donc, en fonction des choix que tu fais, là, l'application elle-même va, pour chacun des sites, détailler ou bien regrouper les comptes concernés. Oui, oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Là où le risque vraiment est élevé, quoi. Voilà, là où le risque est élevé, même si c'est faible, là, ça va plus regrouper. Par exemple, sur les ventes, si c'est faible, je mets faible. Si tout est élevé ou bien quoi, je sélectionne. Tu vois.
Oui. En fonction de la situation que je fais, si la différence est Ainsi de suite, OK. ainsi de suite. En fait, ce n'est pas un logiciel, je te dis, ce n'est pas un logiciel d'audit de bout à bout, mais ça gère en fait une partie des travaux de l'audit. C'est-à-dire, vous avez fini votre analyse des risques, vous venez rentrer les conclusions ici, et puis vous faites continuer. Vous faites continuer. Donc, ce que ça va faire, ça va alimenter maintenant automatiquement les feux maîtres. C'est les tableaux des risques là. Oui, donc par exemple, là, voilà, en fonction, tu vois, en fonction des choix que j'ai fait là, c'est tous les sites que tu as là à l'écran. Donc, par exemple, j'ai dit en termes d'exhaustivité, le risque c'est 2. J'ai dit c'est moyen. En termes d'exhaustivité sur les immobilisations, j'ai dit c'est moyen ici. En termes de réalité, c'est plus. Donc, en fonction de ça, ça va pondérer et puis te dire où ça va mettre plus l'accent. Oui. C'est en train de gérer la chose maîtresse. C'est en train de gérer. Et... Voilà. Donc, les feux maîtresses qui sont ici. Donc, c'est 9 cycles. Oui. Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a en réalité 17, mais en réalité, en fait, il y a certains trucs qui sont liés, en fait. Effectivement. C'est lié. Mais en tout cas, tu as, en termes de feu maîtresse, c'est comment on appelle ça? Il y en a 17. Donc, par exemple, si je viens sur immobilisation corporelle, hein, bon, tu vois, par exemple, ça, là, c'est pareil, c'était dans nos comptes, là, que c'est venu, là. Oui. Donc, ça te donne les variations en termes de pourcentage, tout ça, là. Et là, ça te donne, tu vois. Ça te fait là, c'est de manière automatique. Hein. Là, excusez. Voilà, j'ai juste cliqué, tu as vu en combien de temps c'est venu déjà. Bon, on dirait que je n'ai pas bien suivi à ce niveau. Oui, généré de façon automatique. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Tu vois que ça a généré les feux maîtresses là. Tu oui. vois, par exemple, tu as les comptes de bilan, tu as les comptes de résultats. Mmh. Tu vois. On peut reprendre, il n'y a pas de souci. OK. Par exemple, voilà. Par exemple, là, par exemple, le pourcentage sélectionné, ça te donne. Puis tu as les comptes de charge. OK. C'est ça. OK, on peut reprendre. Si, allez. OK. On peut reprendre. Comment ça a généré de façon automatique, là? OK, je vais cliquer sur effacer feu maîtresse. On va remettre ça à blanc. Tu vois, ça nettoie okay. tout. C'est ça. Donc, je reprends. Donc, j'ai dit que tu cliques sur ça. Voilà. En fait, après les risques. Voilà. Tu peux choisir soit approche par les risques ou bien toi-même, tu peux toi-même définir ton propre jeu. Okay. Je vais venir dessus pour t'expliquer. Tu peux définir toi-même ton propre jeu d'écriture. OK. Approche, OK. Voilà. Donc, approche par les risques. Ça, c'est automatique. Donc, tu vas reporter, tu vas faire OK pour reporter les conclusions. De ton analyse par les risques là. Mm-hmm. Oui, c'est ça. On va reporter ça ici, dans chacun de ces cycles là. Une fois que tu finis, tu cliques sur continuer, c'est tout. Mm-hmm. Tu cliques sur continuer et puis tu attends. Ça va générer ça automatiquement. Ok, c'est ça. Donc tu vois, c'est en train de générer même, tu vois. Ok. Maintenant, tu as une idée de l'application. Oui, voilà. J'ai une idée vraiment de l'application. Voilà. Après, je vais donner les informations. Oui, ça, c'est pour la partie feu maîtresse. Maintenant, aussi, tu as dans l'application, tu as. Par rapport aux jeux là, dont je te parlais, les jeux de. Mais pardon, on peut revenir, par exemple, sur un cycle, sur une feu maîtresse, là, à chaque fournisseur, par exemple. À
Chaque fournisseur, ok, je n'ai pas de souci. À chaque fournisseur, voilà, c'est là. C'est ça. Voilà. Donc ici, tu as les comptes de fournisseurs. Oui, ok. Tu as les comptes de fournisseurs et en bas, tu auras. Voilà, par exemple, ce client, il a beaucoup de comptes de fournisseurs. Donc, par exemple, là, la variation est de 4,7%. Ça n'a pas beaucoup varié. Et tu as les comptes de charge. Les comptes d'achat, là. Voilà. Ok. Voilà, le compte 21. Et il y a les services extérieurs en même temps. Les services extérieurs, ça, c'est une autre feuille. Voilà, il y a une autre feuille ici. En fait, peut-être. Non, dans achat là. Oui. Dans achat là, dans achat fournisseur là. Oui. Achat fournisseur, c'est ici? Oui, oui, c'est là. Pardon, achat fournisseur, c'est là. Achat fournisseur, c'est cette feuille-là. Okay. En fait, il y a beaucoup de... Mais ici, il y a les comptes 62, là. Non, ici, il n'y a pas les comptes 62. Il n'y a pas les comptes 62. Ça s'arrête à 60. Et ça? Ah, ouais, ouais. Voici le lien. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a les comptes 62, pardon. Oui. Il y a les comptes 62. Maintenant, ces comptes 62, là. Est-ce qu'il n'y a pas ces comptes 62 au niveau de l'autre côté-là? Service extérieur, attends, il y a service extérieur A, ici, oui, là, qui a les comptes 62, mais comme on n'a pas, peut-être, dans nos risques-là, peut-être qu'on n'a pas détail, le risque est élevé. Tu vois que ça a regroupé. Ça a juste donné le truc. Donc, quand on est dans le service extérieur, tu vois que j'ai seulement ça. Parce que le risque n'est pas élevé là-bas, que ça soit élevé par... Mais si je refais en même temps, comme risque élevé là-bas, ces sites-là, ça va me donner le détail. Okay. Donc, j'ai les dettes fiscales aussi ici, les comptes 44. Ok, 64. J'ai rappelé les impôts et autres fiscales. Ok. Tu vois. Donc, maintenant... Au niveau des achats fournisseurs, là, c'est... Il y a un truc... Comme il y a les 62-63, on va voir, est-ce qu'il y a les 63 ici? Non. Non, non, il y a, ici, il n'y a pas les... Il n'y a pas les trucs. Tu vois, moi, que le truc est tellement... Le truc est tellement... La balance du client, là, est tellement longue. J'ai peut-être... C'est tellement détaillé au niveau des fournisseurs que le truc a excédé le truc. Attends. Donc, je voulais te montrer, en fait, cette affaire de jeu, là. OK, regarde. Les jeux, là. OK. Voilà, regarde. Par exemple, là, c'est la poche par les risques, là. En fonction des choix que tu as fait, le système lui-même, il a mis la pondération, c'est-à-dire le niveau de détail que tu attends de chacun des postes. Donc, par exemple, là, il a évalué, sur les stocks, là, il a évalué le risque comme étant, donc, il a mais comme pondération 5. Tu vois. Pondération 5, ça veut dire que ce sera tout. Attends, allons-y sur les fournisseurs. OK. Pondération 10, 8. Mais le niveau de pondération, là, ça renvoie au niveau des risques. Oui, oui. En fait, regarde. On va créer nous-mêmes 5, par exemple. OK. Voilà. 5, là, c'est assez élevé. Attends, on va... Okay. C'est pour dire que ça paraît jusqu'à 16. Oui. Attends, une seconde. Okay. On va créer nous-mêmes un jeu qu'on va utiliser. Je vais prendre ce qui a été fait au niveau de l'approche par la liste, là, comme modèle. Okay. Et puis, on va modifier pour que tu puisses voir. Une seconde. Okay. Ça marche. Voilà. Je prends là. C'est-à-dire, tu peux toi-même créer ton propre jeu. C'est-à-dire, si par exemple... Tu dis non, que tu veux faire toi-même manuellement, semi-manuellement. Parce qu'en réalité, c'est semi-manuel. Par exemple, au niveau des fournisseurs, okay. Je vais descendre sur les fournisseurs, voilà. Par exemple, là, on a mis 5. Bon, je vais mettre par exemple 2. Je vais mettre 2 comme ça, par exemple. Comme ça, ça va me mettre sur deux niveaux de compte. Regarde, par exemple, parce que là, regarde, je retourne sur cette feuille.
à chaque fournisseur là. Tu vois qu'à cause des 5 là, ça détaille sur combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, ça a vraiment détaillé. Ça a trop détaillé. Ça a vraiment détaillé. Donc, je vais essayer de changer ça en faisant un niveau de détail moins élevé. Donc, je vais prendre, par exemple, certains, je vais prendre 1, certains, je vais prendre... Je vais mettre 3, je vais mettre... Bon, là, par exemple, là, c'est au niveau des comptes de charge. Donc, je vais mettre 3, par exemple, ça, je vais mettre 1. Et puis, au niveau des achats, comme j'ai mis 16, ça, là, ça va déterrer au maximum, pratiquement. Donc, je reprends ça, je vais mettre... 10 et 9. Voilà. Deux. Je vais mettre 2, par exemple. Maintenant, je vais relancer et puis voir ce que ça va donner. Okay. Voilà, c'est le jeu 1 que j'ai créé moi-même. Donc, je vais faire OK pour voir ce que ça va donner au niveau de l'achat fournisseur. OK. Donc, on retourne sur la feuille à chaque fournisseur. Donc, tu vois, ce qui était très, très détaillé précédemment, là, tu vois, en fait, comment faire. Tu vois, en fait, tu me demandais le 103. Tu vois qu'il y a le 103 oui, ici. Tu effectivement. Vois, ça s'arrête à là. Ça ne va pas plus loin que là. Et là, c'est parce que j'ai moi-même défini mon jeu comme nous ne devons pas avoir trop de détails avant. Donc, tu as le service extérieur, tout et tout. Ok, ok. C'est vrai. Mais alors, c'était trop détaillé. Si détaillé que même ça excédait les formulaires, en fait. Il avait la même. Il regroupe seulement, il met service extérieur seulement. Il n'y a pas de détails sur le compte. Voilà. Mais si je fais un autre jeu où j'augmente le niveau de détail, tu vas voir que ça va détailler ça beaucoup plus. Et là, c'est semi-automatique. Comme je dis, c'est semi-automatique. On a créé un jeu. On s'est juste inspiré de l'approche par les risques. Là. Tu peux créer autant de jeux. Enfin, tu peux créer autant de jeux que tu veux. D'accord. Si tu veux simuler, tu peux simuler. Et puis bon, comme toi aussi, c'est vrai qu'il y a l'audit, la partie audit qui t'intéresse. Tu peux aussi découper ta balance en cycles. Par exemple, là, bon, là, j'ai fait ça, ça marche seulement sur N. Quand tu vois, j'ai cliqué sur le bouton, ça m'a découpé en cycles. Ça dit le découpage en cycles. Visuellement, tu peux voir en fait tous les comptes qui concernent tous les cycles. Mais ça, j'ai fait ça seulement sur N. Je n'ai pas fait en sorte que c'est un N, je peux modifier le programme pour que ça le fasse, mais je fais ça comme ça. Et puis parce que, bon, pour le moment, j'ai pas eu beaucoup de demandes en matière d'audit. Donc, j'ai pas vraiment fait beaucoup de travaux sur la partie audit. Okay. Tu vois. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, tout le truc que tu vois, tout est là. Tout y est. Tu vois que tu as découpé, en un clic, j'ai découpé ça en titre, les stocks, les achats fournisseurs et autres. Tu vois, ça, c'est les clients. Les clients. Voilà, ça, c'est les personnels. Ça, c'est les impôts. Impôts et taxes. Voilà, 46 associés. Voilà. Tu vois. En fait, moi-même, en étant auditeur, j'ai pensé à toutes ces choses-là. Bon, ça n'existe pas quelque part. Mais moi, je me suis dit, bon, pour aider facilement dans mon travail, au moins je clique dessus. Ça permet de découper. Donc, tu vois, c'est le bouton découpage que je mettrais là. Voilà, donc, c'est ça. Maintenant, en fait, l'une des dernières choses, en fait, dans la partie d'audit, là, encore, il y a les analyses graphiques.
par exemple, la sphère d'intermédiaire de gestion. Beaucoup de personnes, quand je leur présente le logiciel, me disent « Ah, que pour leur rapport de gestion, ça va faciliter. » C'est ça. Voilà, pour faire leur rapport de gestion. C'est des analyses. Voilà. Et ça même, on peut utiliser ça même en expertise comptable. Voilà, c'est ça. Par exemple, là, tu vois, regarde, c'est une société où tout l'argent de la société va à carrément au personnel. Les gens sont bien payés. Oui, oui. Les associés, même, en fait, ils sont en perte. Tu vois. Les grandes masses, l'évolution des grandes masses, du bilan. Tu vois, tu as les ressources stables, les trucs et autres, tout ça. Moi, quand je viens, par exemple, l'équilibre fonctionnel du bilan et autres. Bon, ça, c'est la structure du bilan. La structure du bilan, bon, si par exemple, là, tu vois, ça, c'est les stocks et en cours. Les stocks sont importants. Et là, le deuxième poste, c'est les autres créances. Et puis là encore, je vois, c'est les clients. En tout cas, tu peux utiliser ça justement pour voir, tu peux faire une idée très rapide. Je vais te montrer aussi. Il y a un truc aussi ici qui est très intéressant. Ce graphique-là, en fait, c'est un graphique dynamique. Ça s'appelle l'évolution de la structure des charges par nature. Généralement, on fait les feuilles maîtresses pour voir là où on concentre nos trucs. Mais là, ça te donne, en fait... La variation. Voilà, ça te donne sur les exercices, bon, selon les balances qu'il a mis, il peut aller jusqu'à 4 exercices. Et comme tu vois ici, tu vois la structure des charges de la société, là, c'est les achats, et puis tu vois le deuxième gros poste, c'est les charges de personnel. Personnel. Voilà, donc quand je clique, je mets le pointeur ici, je vois que ça fait 2 milliards. Et en termes de personnel, je vois que ça fait 200 millions. Si je veux aller sur un moyen, je vois 215 millions, 219 millions. Maintenant, je peux m'intéresser, par exemple, pour dire, ah, je veux voir les services extérieurs. Ah, je veux avoir plus de détails. Donc, je double-clique. Ça me donne la structure qu'il y a à l'intérieur. Pour les 62. Okay. C'est descendu à un niveau de détail. Je peux dire, ah non, je veux même aller encore plus loin. Je vais aller voir dans la 624. Voilà. Tu vois, ça me donne la structure. Donc, quand vous cliquez, c'est à ce niveau qu'on voit vraiment le détail. Ouais, ouais. Voilà, si tu je clique, par exemple, ça m'intéresse, le 62-42, okay. Hein, je vais aller voir à l'intérieur. Okay. Je vais jusqu'au dernier niveau de détail. Tu vois, okay. Tu vois le numéro de compte là, ça allonge. Jusqu'à ce que, voilà, je suis à la limite. Je peux remonter, je peux regrouper encore. Quand je clique ici, ça regroupe. Tu vois, ça regroupe. Donc, avec, on va revenir en arrière. Voilà, on peut revenir en arrière. Avec ça, vous pouvez surfer dans la balance du client. Ça. Tu vois. Tu peux surfer dans la balance du client. Par exemple, même là, par exemple, tu vois, le 626, là, c'est pratiquement zéro. Là. Mais quand je clique, je vois directement le compte, les comptes qui sont là où les comptes qui sont dedans. Et puis les variations que j'ai à l'intérieur. Tu vois, je clique ici pour remonter. Mais par exemple, ici, là. Et par exemple, ici, je prends un exemple. Voilà, ici, par exemple, là. Je vois qu'il y a quatre niveaux. Oui, c'est les quatre années. N-1, N-1, et tout ça. C'est à cause des quatre années. OK. C'est ça. Donc, ça, c'est chacune. Dans l'année qui nous intéresse en question, là. Voilà. Là, on essaie de voir le compte. Okay. Tu vois, même quand c'est petit comme ça, donc quand je clique. Oui. Ça va me montrer les comptes qui sont à l'intérieur. Ça, c'est une alternative des feux maîtresses. Oui. Avec ça, tu peux voir visuellement, en fait, l'évolution des choses. Donc, globalement, c'est un peu ça. Il y a encore, on n'a pas pu avoir... Il y a encore deux fonctionnalités, notamment le système minimal de trésorerie. Par exemple, regarde, là, par exemple, ça, c'est le système normal. Si je clique ici, je peux basculer maintenant au système minimal de trésorerie. Quand je clique ici, bon, ça me dit que les détails complémentaires sont en OK. Donc, ça me bascule sur le système minimal de trésorerie. Voilà. Donc, là, par exemple, ça va m'afficher maintenant les états du système minimal de trésorerie. Tu vois, automatiquement, hein, tout est déjà venu. Et puis aussi, là, quand je suis ici, j'ai aussi le tableau de bord. Okay. Le même tableau de bord qu'on a vu là. Mais là, c'est pour le système minimal.
Mais par exemple, s'il y a des évolutions du logiciel là, c'est la mise à jour là qui permet de t'actualiser ou bien il faut reprendre une clé. Non, 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 non. En fait, quand vous achetez, c'est en une fois. Vous achetez en une fois. Maintenant, à moins qu'il y ait vraiment un gros changement, quoi. C'est un gros changement. Par exemple, si le système comptable a changé, quelque chose comme ça. Oui. Là, peut-être que. Par exemple, ce logiciel-là, ça, c'est. Comment dire? C'est la version 2.0. La version 1, là, les gens qui avaient acheté en 2006, ils avaient fait. Bon, eux, maintenant, il faut que je leur revende. C'est carrément un nouveau, tout un nouveau Oui. logiciel que j'ai fait. Normalement, moi, c'est en une fois. OK. Une fois. OK. Donc, globalement, c'est un peu ça. Il y a encore d'autres fonctionnalités, comme par exemple les impressions, les exportations, la OK. génération de fichiers Excel, tout ça là. Mais bon, ça, on n'a pas besoin de trop aller dans le détail, tout ça. Si, Ça, quand c'est on quoi? Ça reproduit les rapports en même temps, ou bien? Non, non, c'est pour accéder rapidement OK. aux différents trucs. Par exemple, Examen. si tu veux aller sur les OK, analyses les graphiques, analyses, là. voilà, font des raccourcis sur les rapports, quoi. Par OK. exemple, synthèse de contrôle d'alliage, par exemple, là, t'emmener directement. Tu Avec vois? le temps même, tu vas découvrir beaucoup de choses. Oui. Exploitant. Oui. En tout cas, quelle est ton impression générale? Je pense qu'on a Ah, fini. vraiment, oui, je trouve que vraiment c'est très bien. En termes d'analyse, vraiment ça c'est bénéfique quoi. Il y a une rentabilité au niveau du temps. Ça te permet vraiment de faire les analyses de façon rapide. Donc, sur le plan expertise comptable, là, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à l'audit là. Oui. Vous avez des logiciels déjà de montage d'états financiers et autres que vous avez utilisés par le passé? Non, puisque non, on n'a pas de logiciel de montage des états financiers. Oh, mais avec ça, quand vous Voilà, avez avec ça ça, vraiment. en un clic, tu n'as pas besoin de dormir au bureau. Ouais, c'est rapide quoi. Sauf que c'est les états supplémentaires là qu'il faut intégrer. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes prêt à un truc là, à Oui. prendre le logiciel, Oui. ce n'est pas un souci. Vous, votre Okay. délai de dépôt de Volga, c'est quand? C'est déjà passé ou bien c'est. C'est bien passé. C'était Non, mais. le 30 avril. Voilà, quand vous prenez, alors je vais faire la mise à jour pour vous, OK. pour que l'exercice qui arrive là, OK. vous puissiez avoir le truc conforme. Parce qu'il n'y a aucun souci. Comme je dis, en fait, mon Oui. objectif, c'est de pouvoir réunir dans mon application tous les états complémentaires, supplémentaires, spécifiques à chacun des états. De telle sorte que D'accord. quelqu'un qui l'utilise, en tout cas, il a accès. Tel que tu vois là, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, les états sont spécifiques. Et même, ils demandent même, par exemple, qu'on se mette l'alias au format XML. Tout ça, là, j'ai fait dans l'application. Tout ça, c'est dans l'application. Si tu veux générer Oui, je XML, vois. tout ça, là, c'est dans Maintenance, l'application. paramètres, XML. XML par exemple. Ouais, Voilà. Tout ça, c'est dedans. Et puis ici aussi, à partir d'ici, vous pouvez sélectionner le pays. Par exemple, si je vais aller sur la Côte d'Ivoire, je choisis la Côte d'Ivoire, je fais appliquer. Ça va masquer tous les feuilles du Burkina là. Et puis afficher celle de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je viens maintenant, ça c'est l'alliage de la Côte d'Ivoire. En fait, l'application se module en fonction de ce que tu veux faire. pays Alors, leurs façon états d'agir. en Côte d'Ivoire sont vraiment spécifiques. D'accord. Donc ce qu'il y a, vous dites que c'est, je vais En ensuite. termes de référence, je peux vous donner par exemple des. Bon, il y a des cabinets déjà qui utilisent. OK, D'ailleurs, je oui. ne sais pas si vous connaissez le cabinet Mazar qui est à Abidjan.
Mazar, oui. Mazar, oui. Par exemple, Mazar, je leur fais la démo de mon logiciel. Ils sont intéressés, ils utilisent. OK. Mazar Côte d'Ivoire utilise, par exemple. Bon, pour décider juste les grands noms, hein. Mais bon, Oui, il y a d'autres cabinets. Bon. on souhaite vraiment être les premiers à en acquérir au Burkina Faso. En tout cas, ça va vous aider. Sérieusement, hein. Ce n'est pas parce que c'est mon application, mais je dis que ça va vous faire gagner du temps. Sérieusement, tous ceux qui utilisent là, en fait, c'est détaillé. L'une des choses que C'est tout le ça, monde me c'est dit, très détaillé. c'est détaillé. Très, très détaillé. Voilà. Oui, ça vraiment. Ça. Donc, vraiment, ça a vraiment été un plaisir. Merci aussi pour ton temps. Hein. Merci pour ton oui, temps. Vraiment. Malheureusement, il fallait que je... Oui. Oui, il dit, il fallait vraiment que je le fasse, quoi. En tout cas, bon, c'est un plaisir. Il y avait une formation en avril, c'est fini à 11h. Donc, il fallait que je vous appelle en même temps. OK. OK. OK, c'est bien. Tout le plaisir. Donc, en fait, souvent, très souvent, le problème que j'ai avec les gens, c'est que pour pouvoir avoir l'attention, mais le temps des gens, c'est difficile. Tu vois, par exemple, avec vous, on est rentré en contact il y a peut-être 2 ou 3 mois, mais c'est seulement aujourd'hui que vous avez pu avoir le temps pour vous asseoir pour regarder. Effectivement. Tu vois. Mais une fois que, en tout cas, tous ceux à qui j'ai présenté le logiciel, en tout cas, unanimement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire non, qu'il n'a pas ce qu'il voulait. Et puis les clients qui l'utilisent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les gars sont satisfaits. En tout cas, là, c'est très bien. C'est adapté. Ça te permet d'économiser ton temps. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, bon, par ailleurs, au-delà de votre cabinet, je cherche aussi des clients. S'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées, que tu peux leur en parler, je vais faire une démonstration. OK, donc, allez, vraiment, voilà. C'est très plaisir. Merci beaucoup, vraiment, M. Yayat. Très plaisir. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, à vous de même. À tantôt, on s'écrit toujours. OK. OK, on s'écrit. Donc, j'attends de votre retour. Hein. Il n'y a même pas de problème. J'attends votre retour. Merci beaucoup. OK, merci, au revoir. Au revoir à vous.